Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau lecture manga sur la chaîne. Donc c'est parti, il sera moyen on va dire, voilà, pas non plus surcharger mes lectures manga parce que sinon ça ferait des trop grosses vidéos. Et donc on va commencer par les shoujo, donc ça va, j'en ai lu que deux. Donc j'ai tout d'abord terminé From End, le prix de la liberté de Mitsuo Shimokitazawa chez Kana dans leur collection Big. Shoujo que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est très prenant, même encore ce dernier tome, on va pas savoir comment ça va se finir jusqu'à la toute dernière page du manga et ça j'ai adoré. La fin pour moi est excellente, voilà, je ne voyais absolument pas comment on pouvait finir ce manga autrement. Je l'ai adoré, donc voilà, c'est une série que je vais garder assurément dans ma mangathèque parce que des shoujo horreurs comme ça, on en a pas beaucoup. Donc du coup voilà, vraiment très très prenant, donc je peux pas vous en dire plus non plus pour ne pas vous spoiler le dernier tome s'il y en a qui ne l'ont pas encore lu, qui sont pas encore, encore à jour. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai lu le tome numéro 2 de Mon colloque d'enfer, donc de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Ce shoujo, c'est une boule d'air frais, c'est un coup de cœur en fait ce shoujo. Du coup voilà, j'adore, franchement les personnages sont tous mais très très attachants, ils sont tous adorables au possible. J'aime beaucoup ce personnage là, donc Matsunaga, qui est franchement trop trop drôle. Des fois il se met dans des situations qui sont juste comiques et tout, donc du coup voilà, la relation dans ce tome 2 entre Matsunaga et notre héroïne, donc Miko, n'avance pas des masses. Voilà, ils sont toujours dans une relation de colocataire jusque là, même si notre héroïne, ça y est, elle a développé des sentiments pour ce personnage-là. Faut savoir qu'ils ont 10 ans d'écart, il me semble. Elle a 16 ans, il en a 26. Donc du coup voilà, ça va être une romance assez compliquée, un petit peu à la Takane et Anna. Ils ont la même différence d'âge. Donc du coup voilà, mais dans un tout autre registre. Du coup voilà, c'est assez rigolo, assez mignon. Donc du coup voilà, j'ai hâte de lire la suite. C'est trop trop drôle. Ensuite, donc, on va passer au seul shonen que j'ai lu pour cette petite vidéo. Et donc, il s'agit du début de la série de Seraph of the End, Glen Ishinose, la catastrophe de ses 16 ans. Donc voilà, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, donc c'est de Takaya Kagami, les dessins de Yu Asami et la design des personnages de Yamato Yamamoto. Voilà, toujours chez Kana. Donc cette série, c'est la préquelle de Seraph of the End. Donc on va découvrir un petit peu Glen quand il a 16 ans, quand il arrive dans son lycée, etc. Donc c'est avant qu'il y ait le virus qui ait décimé tout ça, etc. C'était largement avant et donc on voit vraiment que Glen dans ce début de manga est vraiment pris pour de la merde en gros. Donc du coup voilà, parce que tout simplement il a un secret qu'il garde bien gardé, du moins dans le premier tome. Son secret va légèrement se fissurer dans les tomes 2 et 3 où on va découvrir les clans, tout ça, ce qui complote, etc. On a de très bons combats puisque bien évidemment c'est des clans et il faut que faut qu'ils soient plus forts les uns que les autres. Et donc il y a des combats, etc. Donc du coup voilà, c'était assez sympa. Je trouve quand même les tomes, je trouvais quand même les tomes 1 et 2 assez mous. Voilà, ça avance tout doucement, etc. Dans le tome 3, ça accélère un tout petit peu, mais c'est pas ça non plus qu'est ça. Donc à voir avec le tome 4, mais si ce n'est que j'ai bien aimé cette préquelle, voilà, ça nous aide à comprendre un petit peu plus la série principale, voilà, sur ce qui s'est passé juste avant. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir jusqu'où Glen va aller, même si on le sait déjà un petit peu vu que c'est dit dans la série principale. Donc du coup voilà, j'ai lu les trois tomes, voilà, d'affilée d'un coup.
et c'était vachement sympa. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur Seraph of the End, vous pouvez toujours vous procurer le préquel. Bon, après, c'est pas indispensable non plus. Donc du coup, voilà. Ensuite, on va passer au CNN. Donc j'ai trois séries à vous présenter. Le premier, c'est le tome numéro 2 de Charley, donc de Kaoru Mori. Donc voilà, donc le tome suit le tome 1. Voilà, on suit toujours les petites aventures de Charley qui est devenue femme de chambre à 13 ans avec son maître. Je sais pas si on peut plus ça un maître, mais avec sa patronne. Donc du coup voilà, qui tient un café. C'est un tranche de vie pur et dur, faut le prendre au pied de la lettre. Voilà, c'est très très beau. Puis alors les dessins, franchement, de la mangaka, c'est vraiment affligeant. Donc oui, j'ai lu ce tome 2. Effectivement, ce n'est pas du tout la fin de cette série. Et il faut savoir qu'entre le premier tome et le deuxième tome, la mangaka a mis 10 ans. Donc on n'est pas prêt d'avoir un tome 3. Donc du coup, voilà, c'est super. Mais en attendant, ça reste une très très belle histoire. Comme sait le faire Kaoru Mori, on a notre héroïne qui va commencer à se poser des petites questions dans ce tome-là. Je vous laisserai le découvrir si vous ne l'avez toujours pas lu. Mais en tout cas, c'était fort intéressant. Et donc, je vais pas dire que j'ai hâte d'avoir le tome 3 parce que je sais qu'on va attendre pas mal de temps. Donc du coup, voilà, vu que l'auteur est sur Brad Stories, donc du coup, voilà, elle fait deux séries en même temps. Donc du coup voilà, n'empêche, cette série n'a pas été mise en pause au Japon, c'est toujours en cours en deux tomes, donc voilà, à voir par la suite si on a un tome 3 qui arrivera prochainement. Ensuite j'ai lu le premier tome de Transparente de Jun Okino, c'est publié chez Kurokawa. J'ai bien aimé ce premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, voilà, il m'en faut plus. Donc on va suivre une jeune fille donc, qui s'appelle Aya Kinomiya. Au début on la suit, elle a 9 ans, voilà, elle vit avec son frère et sa mère et son père également. Donc son frère il est un petit peu apathique, donc c'est-à-dire qu'il fait pas vraiment gaffe à la situation tragique qui arrive à cette famille. La mère, elle se laisse faire même si elle tente de protéger ses enfants, et en fait c'est leur père qui est très violent, voilà, qui n'hésite pas à taper leur mère, qui n'hésite pas à, voilà, à s'en prendre à toute la famille entière. Et un jour, eh ben, Aya va faire le vœu, le souhait de devenir transparente, et donc son vœu va être exaucé. Elle va devenir complètement transparente à la société. Donc voilà, donc elle va faire des tests sur le don qu'elle possède, etc. Savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Quand est-ce qu'on la voit, quand est-ce qu'on la voit pas, même si elle est transparente ou pas, etc. Et quand elle va avoir fini ses petites recherches et tout, il va se passer un drame. Voilà, Aya va faire un geste qu'elle va peut-être ou non regretter toute sa vie. Je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est. Mais voilà, et donc elle va devoir apprendre à vivre avec. Et donc c'est un manga qui m'a touchée, voilà, qui m'a un petit peu sensibilisée là-dessus, etc. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, puisque je trouve qu'il manque quand même un petit peu quelque chose, une petite pincette de suspense, etc. Enfin, vous voyez le petit truc. Donc voilà, donc j'attends quand même le tome 2 avec impatience pour pouvoir découvrir la suite. Mais ça n'a pas été un coup de cœur. Mais en attendant, je vous recommande la série si vous êtes passé à côté. Ensuite, j'ai continué ma lecture avec le tome 2 et le tome 3 de Teacher Killer de Saro Hatton aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. J'adore les couvertures, elles sont vraiment super sympas. Donc dans le tome 2 déjà, on poursuit, voilà, toujours à la base du premier tome où on suit des chapitres, voilà, sur des meurtres que vont commettre nos deux personnages principaux, donc son prof, le prof et son élève. Donc voilà, on va également découvrir un petit peu le passé de, alors j'ai oublié comment elle s'appelle, mais ça va pas être marqué dans le principe, donc de notre héroïne. On va découvrir un petit peu son passé, ses parents, etc. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Et à la fin de ce tome, on a un nouveau personnage qui apparaît, qui est sur la couverture du tome 3. Voilà, qui va essayer également de s'accaparer notre héroïne. Voilà,
Et donc je ne vous en dis pas plus, je vous dis pas comment il va s'y prendre, etc. Est-ce que... je crois qu'elle s'appelle Aya, notre héroïne, je ne sais plus. Mais voilà, je vous dis pas comment l'héroïne, etc. Je vous dis... Je garde le suspense, etc. En attendant, c'est des tomes qui se lisent assez vite, alors que pourtant ils sont assez épais, comme vous pouvez le voir. Ça se lit extrêmement vite, je vais vous montrer quand même quelques dessins. Les dessins sont vraiment... sont vraiment très beaux, je trouve. Donc voilà tout le monde, j'ai fini de vous présenter les lectures. Et donc du coup, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous allez lire, etc. N'hésitez pas à me faire part de vos découvertes livresques. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!